Ça va, Dogo, bonjour. Bonjour madame. Comment bonjour. Vous allez? Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, ça va bien chez vous? Ça va très bien. D'accord. Du côté du ministère de l'Agriculture, oui, tout se passe bien? Ça va bien. Ah, oui. Ça va bien. D'accord. Que je peux aussi lui proposer. Non, non, non. Il y a une potion magique. Avec des effets. Je ne pensais pas, quand je lui ai proposé la gorgée, je ne pensais pas que l'effet allait être immédiat. Okay. On pourrait vous proposer du thé, mais autre que... Ben, ça va, moi j'ai déjà pris. D'accord. Je pense que je suis vraiment fort. En forme. Vous n'avez pas foi. Hein. Non. D'accord. Alors Cynthia, ce matin, nous allons parler de la transformation des produits agricoles burkinabé, le cas de la... tomate. Voilà. Alors, Monsieur Savadogo, tout de suite, on a envie de savoir quelle est la situation de la production de la tomate au Burkina. Merci. Avant tout propos, permettez-moi donc de remercier donc la RTB pour en tout cas l'occasion que vous nous offrez. Et je pense que nous avons un potentiel donc de production maraîchère, notamment la tomate, qui est estimé en tout cas à plus de 157 000 tonnes de production annuelle. Vous voyez, donc ce potentiel, c'est vraiment grâce aux efforts donc, du ministère de l'Agriculture à travers donc, ses partenaires, projets et programmes, qui en tout cas conjuguent les efforts pour avoir en tout cas de la matière première à transformer. D'accord. Alors, et quelles sont les possibilités de transformation de la tomate? Merci bien. Et pour le cas de la tomate, vous savez bien que c'est un produit périssable. Tout à fait. Voilà. Donc, la transformation est importante à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à disponibiliser ce produit dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, ça veut dire que comme elle se gâte rapidement, il faut pouvoir en tout cas trouver une solution pour la rendre disponible. Et dans le temps, ça veut dire que à tout moment, on pourra avoir donc la tomate. Voilà. Voilà pourquoi il est en tout cas important de transformer la tomate. Vous avez parlé d'une production d'environ 157 000 tonnes. C'est une consommation essentiellement locale ou il y a de l'importation dedans? 157 000 tonnes, c'est beaucoup quand même. Oui, ça c'est l'estimation donc, des statistiques agricoles. Mm-hmm. C'est d'une manière générale, la production générale au Burkina Faso. Et cette production n'est pas totalement transformée. Soit elle est vendue sur le champ, et soit cette production donc est bradée au profit donc des commerçants qui viennent donc de l'extérieur nous prendre ça comme ça. Sans créer donc quelque part de l'exportation. Bien sûr. Et donc nous pensons que la transformation peut jouer un rôle important à ce niveau pour valoriser donc ce produit. Est-ce que sur place au Burkina, on a des usines de transformation? Tout à fait. Nous avons donc des initiatives donc, de transformation de la tomate. Et au niveau donc, de la DGPR, nous encourageons donc la mise en place donc, des petites unités de transformation pour apporter en tout cas des valeurs ajoutées à la tomate. Et quand vous prenez la tomate, vous avez plusieurs produits qu'on peut obtenir à partir de la tomate. Est-ce que la tomate contribue réellement au développement du Burkina Faso? Tout à fait. C'est une filière comme les autres. D'accord. Et si on la valorise bien, nous pouvons en tout cas tirer des profits pour la tomate. Et quand vous prenez la tomate, vous avez les purées de tomates. Vous avez les tomates pelées, vous avez la tomate séchée et vous avez en tout cas les confitures de tomates. Vous voyez que c'est des produits qui en tout cas sont nécessaires pour
les consommateurs. Nous avons vu, pendant que vous parliez, M. Savadogo, quelques images justement de super belles tomates. Est-ce que, on produit tout type de tomates au Burkina? Parce qu'on a des tomates cerises, on a des tomates qu'on appelle les tomates américaines. Elles sont super belles, ces tomates-là. Oui. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez que c'est des jolies tomates. Mm. Sans pesticides. Sans pesticides. Bon, ça dépend. Donc, je dirais à ce niveau, nous avons des multitudes donc, de variétés de tomates qui sont produites donc, au Burkina Faso. Et la transformation prend en compte toutes ces variétés. Alors, pour bien transformer, il faudra donc prendre en compte la qualité donc, de ta matière première. C'est-à-dire, il faut faire un bon choix de ta matière première à transformer. Donc la transformation exige en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup donc de critères par rapport au choix donc de la matière première. Il faut avoir une variété unique. Pour, faut pas les mélanger. Il faut pas les mélanger. Il faut avoir une variété unique. Donc tomate c'est pas tomate. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui. En fait, c'est la variété unique permettra donc de garantir la qualité donc du produit. Vous voyez, quand il y a des mélanges variétals, les goûts ne sont pas les mêmes et la composition, la structure donc, de ces produits ne sont pas les mêmes. Donc, c'est une manière donc, de garantir donc, la qualité du produit fini. Est-ce que sur le territoire burkinabé, il y a des régions qui sont vraiment habilitées à la culture des tomates? Merci bien. Je pense qu'au niveau du Burkina, comme nous avons, comme vous avez dit tantôt, nous avons un potentiel donc, de production. Et toutes les régions donc, du Burkina, en tout cas, produisent donc la tomate. Mais nous avons la région du Nord qui prend en tout cas 25% donc, de la production nationale. Suivi donc par la beaucoup du Mouhoun, le plateau central, le centre nord, le centre-ouest, etc., etc. La région du Nord, c'est pas, donc elle n'a pas besoin de beaucoup de... pas forcément beaucoup d'eau? Oui, oui. Pour la tomate, il faut... c'est le maraîchage, il faut arroser. Mais c'est le dynamisme donc, des acteurs donc, de ces différentes localités. Donc, les maraîchers du Nord se donnent beaucoup donc, à la production donc, de la tomate. Vous voyez que généralement, les Ghanéens, quand ils viennent, ils vont vers cette partie-là pour en tout cas prendre la tomate. Alors, vous avez parlé tantôt de petites unités, vous encouragez beaucoup les petites unités à la transformation de la tomate. Comment se fait cette transformation? Une petite idée. Parce que, est-ce qu'on sait, c'est un produit qui est très rapidement périssable. Il faut trouver les voies et moyens pour garder cette tomate fraîche et bonne sur une durée maximale. Comment se fait cette transformation? Est-ce que ça l'est de produit? Est-ce que c'est de façon naturelle? D'accord. Les initiatives donc, que notre direction encourage, c'est la petite transformation. Pas le niveau industriel, mais nous encourageons donc la mise en place donc, des petites unités de transformation qui peuvent absorber cette production. Quand vous prenez donc les purées de tomates, il est facile de produire les purées de tomates à la maison. Il s'agit seulement de connaître la technique donc, de transformation donc, du produit. Voilà. Ce n'est pas compliqué, c'est à travers donc, des petites techniques que nous pouvons en tout cas absorber cette production, transformer la tomate et la conserver pendant longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on n'envisage pas une transformation au niveau industriel? On en produit beaucoup, mais quand on va dans les grandes surfaces, je prends l'exemple de la purée de tomates. C'est ça. On trouve beaucoup de purées de tomates, mais qui sont des purées des marques importées. Absolument. Pourquoi on en ferait pas nous-mêmes sur place et consommer ce qu'on... Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est bien dit. La tomate, en tout cas, compte tenu du potentiel que nous avons, on devrait quand même pouvoir la transformer de manière industrielle. Mais nous avons des contraintes liées donc aux équipements.
de transformation qu'il faut avoir. Parce que pour, en tout cas, garantir un produit de qualité, il faut maîtriser beaucoup de paramètres qui reposent donc sur la maîtrise donc, du schéma de transformation, c'est-à-dire la technique. Il faut connaître la technique. Il faut avoir le matériel de transformation. Il faut avoir un local, c'est-à-dire un milieu adapté donc à la transformation. Et il faut avoir la main-d'œuvre qualifiée, c'est-à-dire le personnel doit être qualifié et en bonne santé. Et enfin, nous avons donc la matière première qui est vraiment un atout. Voilà. Bon, je vais raconter une bêtise à l'antenne. On devrait demander à tous nos frères Bissa du côté de l'Italie de rentrer. D'apporter toute l'expertise qu'ils ont reçue là-bas pour la transformation donc, de la tomate, puisqu'on dit que les Bissans, en général, quand ils vont de ce côté-là, c'est pour cultiver la tomate. Ça, c'est pas moi. C'est pas sorti de ta bouche, j'assume. Non, j'assume, monsieur, ça va de nous. Okay. Oui, c'est sorti de ma bouche. Est-ce qu'il y a des perspectives liées à la transformation? Bien sûr. Je pense que notre direction, qui donc en charge donc, du développement de l'économie rurale, nous accompagnons donc les acteurs donc, du milieu, c'est-à-dire par la mise en place des petites unités de transformation, par le renforcement donc, des capacités. Vous voyez, quand on maîtrise donc, la technique, il est facile de transformer. Et quand vous avez les outils, il est facile donc de transformer. Donc ce sont ces actions que la DGPR, la Direction Générale de la Promotion de l'Économie Rurale, en tout cas, œuvre pour réguler en tout cas ce potentiel-là qui est là, qui n'est pas valorisé. Et voilà. Alors, Télématinal, nous sommes en compagnie de M. Savadogo Haruna. Il est technologue alimentaire au service de la promotion et de la transformation des produits agricoles au ministère en charge de l'agriculture. Et ce matin, nous parlons de la transformation des produits agricoles burkinabé, le cas de la tomate. Voilà. Et M. Savadogo, la bonne, si je ne m'abuse, on est plus ou moins dans la bonne période pour la récolte de la tomate. C'est généralement novembre jusqu'en février. Tout à fait. Comme c'est des produits maraîchers, c'est la période donc, de répicage donc, de la tomate. Et pour, je pense que d'ici janvier jusqu'en avril, nous aurons donc de la tomate. Ça se fait une seule période sur toute l'année, ou bien est-ce qu'il y a des tomates, il y a des moments où on a des voilà, exactement. Oui, tout à fait, c'est un produit maraîcher, donc il y a une période d'abondance, donc de la matière, qu'il faut profiter, et une période où vraiment on n'a pas la matière, voilà. C'est de trouver en tout cas des mécanismes pour transformer et conserver donc ce produit-là pour, en tout cas, les périodes où il n'y a pas la tomate. Et au niveau de votre ministère, le ministère en charge donc de l'agriculture, qu'est-ce qui est fait pour faire évoluer, j'ai envie de dire, ce mécanisme-là, aller vers la production industrielle, la production à grande échelle? Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Bon, je dirais qu'à ce niveau, notre ministère donc, en charge de l'agriculture n'a pas la vocation donc, de mettre des grandes unités de transformation, c'est-à-dire des unités industrielles. Nous avons donc besoin de promouvoir, en tout cas, les petites unités de transformation, c'est-à-dire qui n'excède pas aux 1000 tonnes, 1000 kg de transformation à l'heure. Ça veut dire quand vous prenez un équipement qui peut travailler 100 kg, 200 kg, 300 kg, jusqu'à 1000 kg heure, vraiment c'est important.
et surtout dans les grandes zones de production. Si nous avons donc des initiatives comme ça, ça peut donc résoudre le problème donc de mévente et de conservation donc de la tomate. D'accord. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la tomate, c'est assez facile à transformer. Dans les ménages, on le fait. Mmh. Et moi, à la maison, c'est vrai, j'ai bon souvenir qu'à l'époque, quand on était encore enfant, on voyait la maman qui faisait elle-même sa pâte de tomate. Tout à fait. Beaucoup de tomates, elle achetait beaucoup de tomates, elle le passait dans un blender écrasé totalement. Tout à fait. Passer au feu, à feu doux, longtemps, hein, ça restait longtemps sur le feu, jusqu'à évaporation totale de l'eau. Elle mettait beaucoup de sel pour la conservation. Mmh. Et ensuite, dans des bocaux stérilisés, bien propres, hermétiquement fermés au congélateur. Et on pouvait conserver ces pots de tomates là sur 3 mois, sans souci. Bien sûr, c'était des techniques donc, qui étaient en tout cas pratiquées par nos maman, mais ça a évolué pour en tout cas conserver la qualité nutritionnelle donc de la tomate. Il faut maîtriser donc la technique pour ne pas détruire les nutriments. Mm-hmm. Voilà. Donc la question de passer longtemps au feu peut en tout cas détruire donc ces micronutriments là qui sont nécessaires donc au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, il est important donc, de maîtriser la technique pour ne pas détruire ces micronutriments. Voilà. Donc, ce n'était pas forcément la bonne astuce. Est-ce qu'il y a des vitamines dans la tomate? Tout à fait. La tomate, vous voyez que dans sa composition, nous avons des sels minéraux. Et nous avons des vitamines, notamment la vitamine A. Et ce sont vraiment des éléments essentiels, nécessaires donc, pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc vraiment la tomate est vraiment importante. D'accord. Et comme la plupart des légumes, hein, vous le savez, on vous incite à consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. La tomate en fait partie. Ah. Monsieur Savadougou l'a dit, il y a de la vitamine A dedans. Je pense savoir que la vitamine A, c'est bien pour les yeux. Donc nous, tous les trois sur ce plateau, on devra en consommer beaucoup pour nos yeux. Tout à fait. On va vous remercier. On va vous remercier, M. Savadougou Haruna, d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Nous parler de la tomate, la transformation, tout ce qu'il fallait savoir donc, sur ce légume-là. D'accord, merci. Non, mais ça m'a incité comme ça à consommer davantage la tomate. Ouais. Alors, pour finir, je vais donc profiter de votre antenne pour dire que la direction générale donc, de la promotion de l'économie rurale reste disponible donc à accompagner les acteurs du domaine, c'est-à-dire ceux qui veulent se lancer dans la transformation de la tomate et ceux qui sont déjà dans la transformation. Bravo. Parce qu'il y a des techniques qu'il faut maîtriser pour garantir donc la qualité du produit. Et sans la maîtrise donc de ces techniques, ben, notre produit, la tomate, ne sera pas, en tout cas, compétitive. Ouais. Donc, il faut maîtriser ces techniques. Donc, assurer une très bonne formation. Tout à fait. Pour une bonne qualité. Tout à fait. Et même le choix des équipements. Mm. Le local de production doit être adapté et respecter une certaine démarche, donc de qualité. Et en garantissant tout ça, nous pouvons, en tout cas, obtenir des produits de qualité. D'accord. Ben, je pense que le message, il est passé. J'étais persuadée que mon collègue Cheikh Devi allait tout de suite sauter pour dire « il faut mettre mon nom dedans ». Mais bon, voilà, là où je l'attendais, il n'a pas tourné. Non, moi, c'est consommation, là. Le produit final. C'est pas transformation, c'est consommation. D'accord. Vraiment, merci, M. Savadougou, d'être passé matinalement sur notre plateau. Merci, monsieur. Merci beaucoup, M. Savadougou. Et à tout prochainement. À très prochainement. On va vous souhaiter une excellente suite de journée. Merci. Vous restez avec nous. Consommez assez de tomates. Voilà. Vous restez avec nous parce qu'ensemble, avec les Télématinaux, nous allons découvrir maintenant le proverbe du jour.
Voilà. Cynthia, alors, le proverbe du jour, ça me fait tellement marrer. Si le crapaud dit que l'œil du caïman est rouge, c'est qu'il est rouge. Voilà. Si le crapaud te dit que l'œil du caïman est rouge, c'est qu'il est rouge. Mais voilà. Mm. C'est tellement clair. Oui. Parce que s'ils sont deux à vivre dans l'eau là-bas, s'il vient et te dit que c'est rouge, il ne faut pas en douter. En tout cas. Si tu en doutes. Si on dit ça en bambana, en djoula, ça fait. dis qu'on voit en bambana. Ah ouais. Kono toroko bama nya wulenne se ka nya wulenne me sekeni ti bamra kan yo aywa ate sungalo ko amuna sungalo ko amuna no fwanye c'était le proverbe du jour et puis bon moi je vous dis n'allez pas contre hein. Vraiment si quelqu'un qui vit dans un certain environnement vient vous donner une information relative à cet environnement, il faut prendre comme ça, c'est lui qui vit dedans. Absolument. C'est lui qui sait, c'est ça. Si vous allez contre, que vous trouvez quelque chose, vous assumez. Ouais, qui cherche, tu trouves, tu assumes. Voilà, c'était le proverbe africain du jour. Méditez là-dessus tout au long de cette journée. Et si vous avez également des proverbes à nous proposer, n'hésitez vous pas. Vous pouvez nous les envoyer sur notre page Facebook en tapant RTB Matin. Voilà, tout simplement. Et puis nous allons maintenant nous intéresser à cette toute nouvelle rubrique de la quatrième saison de RTB Matin. C'est ce que j'avais annoncé plutôt comme la plus grosse surprise. Ah ben voilà, c'est maintenant la grosse surprise. On va faire durer le suspense. C'est une magnifique surprise, surprise qui va vous faire rêver, qui va vous transporter, qui Absolument. Va vous faire voyager. Ça va vous faire du bien. Et ça sera tous les jeudis et tous les vendredis, voilà. Désormais. Voilà. Jeudi et vendredi. Jeudi, vendredi. Pour la rubrique Instant Magique. Ah, voilà, Instant Magique, donc c'est une toute première dans RTB Matin. C'est 5 minutes de pur bonheur. On a envie de vous faire voyager, de vous faire rêver, de vous transporter. Et pour ce tout premier thème de cette rubrique, nous avons mis l'amour à l'honneur. Ah oui. Parce que l'amour, c'est le sel de la vie. On adore ça. Voilà, surtout quand l'amour est pur et vrai, ça aboutit à quelque chose qu'on appelle le mariage. Voilà. Qui ne rêve pas de ça, voilà. S'il vous plaît. En tout cas, deux personnes qui s'aiment, c'est magnifique, c'est idyllique. Et comme il a dit, en général, quand c'est pur, quand c'est sincère, ça peut ou ça devrait aboutir donc, au mariage. Et qui parle de mariage parle de deux petits trucs très jolis, je peux dire indispensables même au mariage. Voilà, donc on parle des alliances. Voilà. Les alliances de mariage. On va découvrir de magnifiques modèles et puis après on va revenir sur ce plateau pour faire de petits commentaires. Voilà, qui n'a pas rêvé? Qui n'a pas rêvé pendant ces quelques secondes-là? De belles images sur une mélodie, un intemporel, j'ai envie de dire. Absolument. Hein? Et nous avons vu toute une variété d'alliances, d'anneaux. Oui. Vous avez vu, il y en a de vraiment beaux. Et en réalité, tu sais que les alliances, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire.
Est-ce que tu le savais? Non. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est une tradition qui est ancrée. Et c'est vrai que c'est pas mauvais de symboliser, de sceller cette union-là avec un objet visible. Sinon, on peut aller devant le maire ou devant le religieux. Sceller le mariage, mais l'obligation. Ben oui, l'obligation, c'est d'avoir que chaque marié ait son témoin. Mais les anneaux ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des anneaux de mariage, que vous avez vos témoins majeurs, vous pouvez quand même vous marier. Mais aujourd'hui, la tradition a tellement pris que, voilà, on ne se marie plus sans anneaux. Cynthia, je t'assure que si tu demandes la main d'une fille aujourd'hui, sans alliance, bah oui, bah forcément, il y a un problème. Il faut, oui, on aime bien ces petits bijoux-là. Parce que d'abord, ça fait sympa. Et puis tout de suite, hein, ça nous met dans une certaine posture, une certaine position plutôt. Mais voilà. Et il faut dire que vous avez eu l'occasion, peut-être que la régie va nous repasser, voilà exactement. On a plusieurs métaux, hein. Ça peut être de l'or blanc, ça peut être de l'or rouge. Même de l'argent. Ça peut être de l'argent, oui. Ça peut être, voilà, si vous voulez, enfin je ne dirais pas du bronze, mais en tout cas le métal. Et du diamant. Voilà, des bijoux, voilà, certis. Certi de pierres précieuses, du diamant. Donc, et tu sais que de plus en plus, Cheikh Dave, les alliances ne sont pas identiques. C'est-à-dire, tu vas trouver que la femme, elle a le bijou qui est beaucoup plus fin, qui a une parure de pierres précieuses, et chez le monsieur, ça va être un peu plus simple. Donc, avant, à l'époque, on voyait des alliances qui sont identiques, mais maintenant, de moins en moins. Tu sais que pour déjà ce premier thème, on apprend beaucoup de choses. Mm-hmm. Parce que moi, je pensais qu'il fallait forcément que les deux alliances soient identiques. Non, pas forcément. On a vu tout à l'heure, il y a une photo de main où la femme, c'est complètement différent. Oui. Ben voilà, cette photo, vous voyez, c'est des alliances qui sont différentes. Oui. C'est magnifique, c'est beau. Et puis, vous avez la possibilité aussi de graver à l'intérieur. Il y en a qui font graver leur prénom. Par exemple, ou la date de mariage, des choses comme ça. Donc, c'est magnifique, ça fait rêver. Et puis, en tout cas, on espère qu'on a pu susciter en vous cette envie-là, pour peu que vous... De franchir le pas. Voilà, de franchir le pas, pour peu que vous soyez tombé sur la bonne personne. Ah oui, Cheikh Dave. C'était donc l'instant magique. Ah ben, écoutez, n'hésitez pas, en tout cas, si vous trouvez la bonne personne de vous présenter devant le maire, parce que c'est un passage presque obligatoire. Mm-hmm, tout à fait. Et puis, pensez aussi à nous envoyer la carte d'invitation, ou bien la carte d'invitation du mariage. On va pour le mariage ou bien on va pour autre chose. On va pour manger et puis on va vous bénir après. Et en parlant de manger, nous sommes assez difficiles. Hein. Oui. Si vous nous invitez à votre mariage, il faut que vous nous proposiez un menu équilibré. Voilà. Menu équilibré. Ça, c'est quoi encore, Cynthia? Ben, écoute, ça tombe bien, parce que tu sais que tous les jeudis, nous avons notre nutritionniste, Ida Nancy Zoukli, qui vient s'entretenir avec nous sur tout ce qui est alimentaire. Mmh. Et comme par hasard, aujourd'hui, le numéro qu'elle nous propose, ben, c'est sur l'alimentation équilibrée. Alimentation équilibrée. Tu vois? Ah, j'ai compris maintenant. Tu vois, moi, tu exiges. Oui. Merci. Chers téléspectateurs, de plus en plus, nous entendons dire qu'il faut manger équilibré. Alors, manger équilibré, qu'est-ce que c'est vraiment? Manger équilibré, c'est avoir une alimentation qui répond en quantité et en qualité aux besoins de l'organisme. Manger équilibré ne veut pas dire manger de tout en quantité égale, mais plutôt privilégier les aliments qui sont vraiment utiles à notre santé et limiter la consommation des autres. On ne doit jamais manger et boire au hasard. Il est donc recommandé de limiter la consommation des aliments riches en matières grasses, en sucre ou en sel, sans pour autant les bannir de notre assiette. Avoir une alimentation équilibrée, c'est varier nos repas en utilisant des aliments de chacun des principaux groupes d'aliments pour les préparer. En rappel,
Ces principaux groupes d'aliments sont les aliments énergétiques, riches en glucides et en lipides, les aliments de construction et de croissance, riches en protéines, et les aliments d'entretien et de protection, riches en vitamines et en minéraux. Bien sûr, il ne s'agit pas d'essayer de manger tous ces aliments à chaque repas, ni chaque jour. Pour atteindre réellement une alimentation équilibrée, il faut plutôt considérer votre alimentation sur la semaine. Manger équilibré, c'est aussi privilégier les bonnes graisses qu'on trouve dans les aliments d'origine végétale ou dans les poissons et diminuer la consommation des moins bonnes qu'on trouve dans les viandes, dans le beurre, dans les margarines, dans le lait non écrémé, dans les fromages, dans les œufs et dans les fritures. Nous ne mangeons pas équilibré si notre alimentation est très pauvre en légumes et en fruits. En dehors des aliments complets, que malheureusement très peu de gens consomment, ce sont beaucoup plus les fruits et les légumes qui apportent à l'organisme des vitamines et des minéraux pour sa protection et son entretien. Nous devons donc en consommer plus souvent. Maintenant, nous sommes tous habitués au slogan « 5 fruits et légumes par jour ». Manger 5 fruits et légumes par jour. Consommons donc assez de fruits et de légumes et varions souvent les couleurs. Même si nous aimons la banane, nous devrions essayer de varier au cours de la semaine avec de la pastèque, de la pomme, de la papaye, de l'ananas, des fraises, des mangues, etc. selon la saison. N'oublions pas que nous devons nous hydrater régulièrement et consommer au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. De façon pratique, si vous êtes amené à consommer un plat composé de pommes de terre frites plus aloco, plus demi-poulet sauté avec un peu de mayonnaise et puis une grande bouteille de soda au déjeuner, vous faites pencher la balance du mauvais côté. Vous avez mangé trop gras et trop sucré et vous n'avez pris aucun fruit ni aucun légume. Donc pour rétablir l'équilibre, c'est-à-dire compenser en quelque sorte, il vous faudra mieux manger au repas suivant en misant notamment sur les légumes et les fruits, avec par exemple une salade, des légumes cuits à la vapeur ou une sauce feuille qui ne baigne pas dans de l'huile. Parce que souvent, nous voyons des gens, on consomme, on dit je mange la sauce feuille, mais vous voyez qu'il y a de l'huile qui surnage. Évitez quand même de faire des entorses trop fréquentes. Mangez sain et mangez équilibré. Prenez soin de vous. Manger sain et manger équilibré. Elle l'a dit, elle l'a bien dit, c'est pour votre santé. Manger, c'est manger. Chez qui, Devi, maintenant, tu sais ce que c'est qu'une alimentation équilibrée? Oui, maintenant, oui. Est-ce que tu manges équilibré? Franchement, non. C'est honnête. Franchement, non. Sans détour. C'est honnête. Tu vois, on prend les pâtes en même temps avec du pain. Oui. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est pas équilibré. Ça, c'est pas du tout équilibré. Et puis, malheureusement, on n'a pas toujours la culture, c'est surtout les fruits. Oui. On n'a pas toujours la culture de prendre un petit fruit à la fin du repas. On se dit, non, bon, c'est pas la peine. Alors que ça a tout son sens. Et puis, c'est pas... On dit finalement, que c'est réservé à une certaine classe sociale. Oui, à une élite. Alors que non, c'est pas forcément cher. Il faut juste être organisé. Et puis, bon, il faut le budgétiser. On vous demande pas de prendre le fruit, de le manger jusqu'à en être assasié. C'est juste à la fin une petite banane, une orange. En tout cas, ce n'est pas un saut de banane ou d'orange. Et puis des légumes aussi, on en a. Cette période, c'est vraiment, on est en train de rentrer dans la bonne période où on a plein de légumes sur la place du marché. Ouais. N'hésitez pas. C'est quoi ton fruit préféré à toi? Ton fruit préféré? Ah, moi, presque tout, hein. Que ce soit orange, tout, banane. Tout passe. Tout passe. Mange tout. Il ne trie pas. Goûte tout. D'accord. Écoute, c'est bien. Tu dois être facile à vivre dans ce cas. Ah ouais, très facile. Ouais. Alors, il est bientôt 7 heures dans nos studios. Et à 7 heures, vous savez, on ne va pas nous débiner de la tradition. Ah ouais, mon très